Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Quand on voit le paquet, la Mère Noël a été très généreuse. Alors aujourd'hui, unboxing du Weber Pulse 2000. Le déballe, Pierre. Allez, c'est parti. Je t'aide. La bête. On a un premier paquet. On a la barquette alu et le récupérateur de graisse. Alors, oula, c'est lourd. Là, oh, putain, il y a du poids. Plaque en fonte émaillée. Ça pèse son poids. Hein. Voilà. Et donc là, l'élément principal, le régulateur de température avec le e-grill intégré connecté Bluetooth. Donc ça évite quand même d'acheter un e-grill à part. Et c'est livré avec deux sondes. Deux sondes et on peut en mettre quatre. Alors le régulateur de température, voilà. Très facile à mettre. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Écoutez ce petit bruit. Alors là, Laurent, il y a ici un ergot pour attacher le câble. Très, très pratique. Deux sondes intégrées au colis. Les petits connecteurs dessous. Voilà. Donc il est assez pratique parce qu'on peut tout laver au lave-vaisselle. Alors pourquoi le Pulse 2000 plutôt qu'un 1000? Tout simplement parce que vous avez deux zones de chauffe qui sont indépendantes et donc on peut faire de la cuisson indirecte. C'est bien. Et je crois que la surface fait 10 cm de plus. Voilà. Et 10 cm des fois 50. C'est important. Ça fait la différence. Exactement. Le régulateur électronique, il a le e-grill intégré que vous pouvez connecter en Bluetooth à tous les smartphones avec une application très simple. Et gratuite. Alors l'avantage quand même du Pulse, c'est qu'il peut être utilisé en milieu urbain, sur des balcons, mais également dans un jardin. Une dernière chose. Certaines personnes pensent que c'est Dark Vador. Nous devons être prudents. Attention ! Il est invincible. Il est en fonte d'aluminium. Plein de recettes à venir. Alors si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Yeah.